Dr Nabil est président et CEO de Reveal Analytics. C'est une compagnie spécialisée dans l'analyse de données et les services technologiques. Elle est aussi active dans tout ce qui concerne l'innovation technologique et la finance. Dr Nabil est titulaire d'un MBA et d'un PhD de Columbia University et d'une maîtrise en économie de New School University à New York. Il est ancien professeur titulaire de finance et a travaillé au centre de recherche de la compagnie General Electric, GE. Il a servi pendant de nombreuses années comme vice-président à GE Capital, où il était responsable de l'analyse de risque et marketing pour la société qui fournit des services aux consommateurs dans plus de 40 pays en dehors des États-Unis. Le thème de l'intervention de Dr Nabil est « Comment s'appuyer sur la technologie et l'esprit d'entreprise comme moteur de croissance et de création d'emplois en Guinée ?» Marine, mon intervention en anglais, parce que je suis plus anglophone que francophone, je dois avouer. Mais néanmoins, je vais présenter, n'est-ce pas, mon intervention en français. Le texte est en anglais, pour ceux qui peuvent lire en anglais. Mon intervention, n'est-ce pas, concerne la croissance et puis la création de l'emploi en utilisant comme levier l'esprit d'entrepreneur et puis la technologie. Mon objectif aujourd'hui, c'est, j'ai trois objectifs. Premièrement, n'est-ce pas, introduire un modèle, n'est-ce pas, je dois avouer que ma présentation est beaucoup plus technique, mais vraiment très simple, n'est-ce pas, un modèle qui est concret, que je vais discuter, et par la suite, n'est-ce pas, vous aurez l'occasion de me poser des questions. Hein. Le premier objectif, c'est introduire un modèle de business que les Guinéens peuvent utiliser comme levier, à partir des États-Unis pour promouvoir, n'est-ce pas, la croissance économique, en particulier la création de l'emploi. Ce point est extrêmement important parce qu'en Guinée, le chômage, ou je dirais l'absence d'emploi, est un problème extrêmement aigu. Sans emploi, il ne peut pas avoir de croissance. Sans croissance, il ne peut pas avoir d'emploi. Mon deuxième objectif, c'est identifier les ressources, n'est-ce pas, que nous pouvons utiliser encore comme levier aux États-Unis, n'est-ce pas, pour rendre ce modèle, n'est-ce pas, pour que ce modèle réussisse, en particulier en Guinée. J'ai énormément voyagé à travers le monde, comme on l'a signalé avant. J'ai passé plusieurs années chez General Electric. J'ai voyagé dans 47 pays, n'est-ce pas? Je n'étais jamais à la maison parce que 80% du temps, j'étais dans l'avion. Je voyageais dans toute l'Europe occidentale, l'Europe centrale, l'Asie, le Japon, l'Australie, l'Amérique du Sud. J'ai vu beaucoup et je dois avouer, comme je le disais à quelqu'un avant, c'est quand je suis parti en Inde, quand je transférais mes employés, j'avais 60 personnes qui travaillaient pour moi en Angleterre. Ensuite, je suis parti en Inde, toujours pour la General Electric. J'ai embauché 350 jeunes indiens, 90% avec doctorat. Chacun avait au minimum deux ou trois maîtrises. Donc, le deuxième point, c'est quand je suis arrivé, je dois avouer en Inde, que vraiment j'ai eu le choc de ma vie, je dois avouer. Pendant que je voyageais en Europe occidentale, au Japon, en Australie, c'est des pays développés, ça ne me disait rien, je travaillais pour la General Electric. C'est quand je suis arrivé en Inde, j'ai vu une pauvreté en Inde que je n'ai jamais vue de ma vie. Une pauvreté plus accentuée qu'en Guinée. Et le travail que je faisais, n'est-ce pas, pour la General Electric en Inde, c'était de créer l'emploi,
crée la croissance, c'est en ce moment que je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici au moins? C'est en ce moment que j'ai, dans une certaine mesure, n'est-ce pas, réexaminé, n'est-ce pas, ce que je faisais, et j'ai décidé de faire quelque chose, n'est-ce pas, en Guinée. Et le troisième point, n'est-ce pas, d'une façon concrète, c'est identifier les opportunités, n'est-ce pas, en Guinée, où ce modèle peut être appliqué. Donc, là, c'est mon background, n'est-ce pas, on m'a déjà introduit, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Le seul point que je voudrais signaler ici, c'est que j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de venir aux États-Unis il y a très longtemps. Moi, je suis venu ici en 1961. On était parmi les premiers Guinéens. Et j'ai eu la chance de faire de bonnes études. J'ai aussi la chance de vraiment de travailler dans de grosses sociétés comme la General Electric, Western Union, JCPenney, n'est-ce pas, et d'autres. J'ai eu la chance vraiment d'apprendre beaucoup. Et donc, ce que je fais maintenant, n'est-ce pas, j'ai ma propre société de technologie et nous rendons des services, n'est-ce pas, des services de consultation et nous fabriquons en même temps des gros logiciels pour les sociétés financières en particulier. Quels sont les problèmes? Il y a beaucoup de problèmes en Guinée mais et beaucoup d'opportunités. Je vais signaler seulement quelques problèmes. Et quand je dis problème, vraiment, c'est sans problème, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de solution. Tous les pays, dans tous les pays, toutes les compagnies ont des problèmes. C'est les problèmes qui créent des opportunités pour l'innovation. En Guinée, par exemple, n'est-ce pas, vraiment, c'est un petit sommet que j'ai fait ici. Nous avons une population croissante, surtout une population de jeunes, qui croît très vite et énormément. Nous avons une population de consommateurs dans tous les domaines. Consommateurs ont besoin de services de santé, la nourriture, des services de transport, le logement, l'éducation, ça ne finit pas. C'est des problèmes, mais en même temps, c'est des opportunités pour, en particulier pour les Guinéens de la diaspora, qui veulent faire quelque chose en Guinée à partir des États-Unis. N'est-ce pas? Le deuxième point que je veux signaler, c'est qu'en Guinée, il y a énormément d'opportunités autour du secteur minier. Je souligne bien autour du secteur minier. Je signalerai ça dans quelques temps, n'est-ce pas, dans le modèle que je présente. Et en particulier, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'avenir, il y aura énormément d'opportunités, n'est-ce pas, autour du secteur minier. Troisièmement, n'est-ce pas, problème comme problème, c'est l'infrastructure. Infrastructure de technologie de l'Internet qui n'existe pas, ou très embryonnique. Infrastructure, n'est-ce pas, dans la communication sans fil. Donc là, c'est des problèmes, mais en même temps, c'est des opportunités pour les Guinéens de la diaspora. Ce qui manque surtout en Guinée aussi, c'est vraiment l'esprit d'entrepreneur. Et en particulier, tous les services et puis toute la structure, toute infrastructure, n'est-ce pas, dont l'entrepreneur a besoin pour croire. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis parti comme consultant pour le PNUD en Guinée pour 8 semaines. Et en ce moment, c'était sous l'ancien régime. Le ministre, n'est-ce pas, des finances m'a demandé de réfléchir sur un projet qui était financé par la Banque mondiale. Et ce projet, ils avaient reçu quelque chose comme 25 millions de dollars, n'est-ce pas, pour encourager l'entrepreneuriat. Et malheureusement, n'est-ce pas, la Guinée n'avait aucune structure, aucun moyen, n'est-ce pas, d'utiliser les 25 millions de dollars qui étaient là sur place, n'est-ce pas, pour créer l'entrepreneuriat et en même temps, n'est-ce pas, créer une structure pour financer des projets pour les entrepreneurs. Je me rappelle très bien, j'ai passé toute la nuit dans ma chambre d'hôtel à rédiger un document de 25 pages que je lui ai remis parce que le lendemain, je devais prendre l'avion et retourner aux États-Unis. Ah, inutile de dire que rien ne s'est passé parce que pour des raisons que nous connaissons tous.
Et le dernier problème que je souligne ici, c'est l'absence, n'est-ce pas, des moyens de financement ou l'absence du capital, en particulier privé, n'est-ce pas, pour supporter l'entrepreneuriat. Les banques en Guinée font des prêts, mais à un taux extrêmement élevé. Il y a 2 ans, quand je suis parti en Guinée, le représentant de la Banque mondiale m'a demandé de faire consultation pour 4 sociétés guinéennes, surtout qui étaient détenues par des femmes. Et après, n'est-ce pas, avoir passé 4 jours avec chacune de ces dames, je me suis rendu compte qu'il était impossible, n'est-ce pas, pour ces sociétés guinéennes de croître. Un taux d'intérêt de 40%, n'est-ce pas, quand il avait un prêt. Je me rappelle une dame guinéenne, n'est-ce pas, qui avait énormément investi dans sa société, avait fait des prêts énormes avec la banque. Toutes les recettes qu'elle recevait, c'était pour payer l'intérêt, n'est-ce pas, à la banque. Et là encore, j'ai fait une proposition à la Banque mondiale, n'est-ce pas, avant de quitter. J'ai fait ce travail gratuit, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, aider l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème. Les opportunités, quel genre d'opportunités existent pour les Guinéens de la diaspora? Premièrement, n'est-ce pas, l'avantage que nous avons, en particulier aux États-Unis, c'est que nous avons accès non seulement au capital, mais nous avons accès aussi à la connaissance. Parce que c'est extrêmement important. Le capital privé existe aux États-Unis. Le savoir-faire existe aux États-Unis. Donc, c'est un atout vraiment que nous avons comparativement à beaucoup de Guinéens de la diaspora qui existent dans d'autres pays, en particulier comparativement à ceux qui sont en Guinée. Nous avons aussi l'avantage, n'est-ce pas, de faire partenariat avec des sociétés américaines aux États-Unis. Je vous citerai tout à l'heure un exemple concret, n'est-ce pas, dans mon cas, il y a un peu plus d'un an. Nous avons aussi, n'est-ce pas, aux États-Unis accès à beaucoup de programmes. Des programmes en particulier qui supportent, n'est-ce pas, les entrepreneurs. Et, par exemple, il y a le programme que le président Obama vient de lancer qui s'appelle Power Africa. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, dans le domaine de l'énergie. Et je le signale, n'est-ce pas, parce que en ce qui concerne la Guinée, ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, au secteur énergie, voici un programme, n'est-ce pas, qui peut bénéficier des Guinéens, mais sûrement des Guinéens de la diaspora aux États-Unis. Seuls les Guinéens de la diaspora aux États-Unis peuvent l'utiliser. Il y a des programmes, par exemple, de l'AID dans le domaine de la santé, ainsi de suite. Donc, l'avantage que nous avons, c'est qu'aux États-Unis, en particulier au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du secteur privé, nous avons des possibilités d'avoir accès non seulement au capital, mais de faire partenariat avec non seulement le gouvernement américain, mais aussi avec les capitaux privés. Et finalement, le point que je veux signer, nous avons l'expérience et surtout la connaissance. Dans, voilà, beaucoup de gens avec doctorat, des gens qui travaillent ici, n'est-ce pas? Ça, c'est un atout que nous avons. Voici le modèle que j'aimerais présenter. Un modèle très simple, n'est-ce pas? Nous avons là la technologie, c'est l'intégration de la technologie, l'esprit d'entrepreneur et puis l'investissement. Je ne vais pas trop détailler, il me semble que vous aurez l'occasion de poser des questions. Mais dans l'entrepreneuriat, par exemple, aux États-Unis, nous avons la fondation Kauffman. La fondation Kauffman est une fondation qui non seulement encourage, mais finance l'entrepreneuriat à travers le monde. Si vous voulez, n'est-ce pas, des documents, n'est-ce pas, comment monter une société, comment financer une société, la fondation Kauffman est la meilleure fondation aux États-Unis pour obtenir tous ces renseignements. Vous pouvez créer des cellules. La diaspora guinéenne aux États-Unis peut créer des cellules en Guinée, organiser des forums d'entrepreneuriat. En collaborant avec la fondation Kauffman, nous pouvons obtenir toutes sortes d'aides. Non seulement le savoir-faire, mais comment créer des structures d'entrepreneuriat en Guinée et en même temps comment obtenir des fonds.
Il y a l'AID a un fonds d'investissement aussi que nous pouvons utiliser. Et seuls ceux qui sont aux États-Unis peuvent, n'est-ce pas, utiliser ça comme levier. Nous avons le département de commerce qui s'appelle Minority Business Development Agency, qui est là pour aider les sociétés minoritaires. Dans le domaine de la technologie, n'est-ce pas, en Guinée par exemple, n'est-ce pas, presque chaque Guinéen, n'est-ce pas, a un portable. Et là, ça donne l'opportunité aux Guinéens de la diaspora de créer toutes sortes de services, services de, dans le domaine de la santé, services dans l'agriculture, services dans le transport, logistique, n'est-ce pas, toutes sortes de services, comme par exemple on le fait en Afrique de l'Est. Dans l'enseignement, ainsi de suite. Là, dans l'investissement, c'est le capital. Il y a l'AID, US Trade Development Agency, c'est l'agence américaine qui promouvoit, n'est-ce pas, le commerce. Par exemple, si vous identifiez un projet en Guinée, dans le secteur privé ou dans le secteur gouvernemental, n'est-ce pas, et que ce projet est lié à l'infrastructure, les ports, les aéroports, les transports, les rails, le chemin de fer, l'énergie, n'est-ce pas, tout ça d'énergie. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, de fonds d'études pour financer, n'est-ce pas, ce projet, USTDA, n'est-ce pas, peut financer, n'est-ce pas, gratuit, n'est-ce pas, les fonds d'études qui vous permettra, n'est-ce pas, d'initier, n'est-ce pas, une collaboration entre les sociétés américaines et le secteur privé en Guinée ou même le secteur gouvernemental, n'est-ce pas, pour essayer de financer ce projet. Il y a l'Exim Bank, c'est la banque import-export qui garantit les prêts, n'est-ce pas, et il y a les compagnies privées. Mais ce que je voudrais signaler, c'est surtout là, n'est-ce pas, les Guinéens de la diaspora peuvent créer un fonds d'investissement. Moi, je l'ai fait et je suis parti à plusieurs reprises en Guinée sous l'ancien régime, en collaboration avec la Banque mondiale, qui a tout facilité pour moi. Et je suis parti, c'était dans l'intention de créer un fonds d'investissement qui ciblait les petites sociétés d'entrepreneurs en Guinée, mais un modèle, n'est-ce pas, qui pour fournir des services uniquement au secteur minier. Donc, là, c'est vraiment, j'encourage et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais que les Guinéens réfléchissent là-dessus. C'est un fonds d'investissement. Il y a toutes sortes de manières de créer ce fonds, d'obtenir des fonds, n'est-ce pas, pour cibler des sociétés en Guinée. Donc, l'intégration, n'est-ce pas, de ces trois points, n'est-ce pas, comment je dirais, c'est la croisière, à mon avis, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, aux Guinéens de la diaspora de créer la croissance et l'emploi. D'une façon concrète, je vais vous citer un cas de ce modèle qui a été implémenté en Mozambique avec ARC International Finance Corporation. Et ce modèle, c'est le modèle que j'avais pris, que j'avais discuté en Guinée avec Rio Tinto il y a quelques années, parce que j'étais parti à IFC, International Finance Corporation, comment on dit ça en français? IFC, International Finance Corporation. C'est l'agence bancaire de la Banque mondiale. C'est ça. Et j'avais contacté IFC à Washington. J'ai dit, j'ai une idée. Et l'idée, c'est de partir en Guinée, créer un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, n'est-ce pas, qui va cibler uniquement les services autour du secteur minier. Uniquement. J'ai dit, j'aimerais, n'est-ce pas, que vous soyez partenaire avec moi. Ils m'ont dit catégoriquement, Oumar, si tu fais ça, on est avec toi. On est avec toi. Parce que c'est un modèle que nous avons déjà entamé en Mozambique. Je n'étais pas au courant. Donc, je suis parti en Guinée. J'ai passé énormément de temps avec Rio Tinto, le représentant de Rio Tinto en ce moment. Ils avaient des problèmes énormes. Le représentant m'a dit, c'était un Canadien en ce moment, il dit, Dr Nabe, vous faites ça, nous allons investir dans le fonds.
Et d'ailleurs, le premier projet que j'ai eu, c'est venu de Rio Tinto. C'est-à-dire, il m'a dit, nous avons un Français qui est venu, qui a fait au moins 20 ans avec Air France, qui veut créer une compagnie régionale, n'est-ce pas, pour desservir uniquement les sociétés minières. Parce que les compagnies minières, les mines sont tout le temps loin de la capitale. Pour faire les va-et-vient par voiture, ça crée des problèmes. Donc le Français est venu proposer quelque chose, créer une compagnie régionale, n'est-ce pas, qui dessert, n'est-ce pas, le service entre les capitales guinéennes et, disons, africaines, disons, de Conakry, et puis à l'intérieur. Le premier projet que j'ai eu pour financer, c'était ce projet. Donc, comme vous voyez ici ce modèle, n'est-ce pas, avec le secteur minier ici, il ne faut pas voir le secteur minier tel qu'il existe aujourd'hui en Guinée. Je vous garantis que dans quelques années, le secteur minier en Guinée sera un secteur extrêmement dynamique, certainement le plus dynamique, n'est-ce pas, dans le monde. Comme vous le lisez, n'est-ce pas, ces jours-ci, n'est-ce pas, dans la presse avec Simandou, hein? Ce secteur sera extrêmement dynamique comme au Mozambique. Ce secteur a besoin de tout service. La discussion de 3 heures, 4 heures que j'ai eue avec Rio Tinto, il m'a dit, vous venez, Dr Nabe, nous participons avec vous, nous vous demandons de financer la construction des écoles pour que ceux qui veulent enseigner, n'est-ce pas, viennent, n'est-ce pas, enseigner. Vous financez la construction, vous fournissez les tables, tout est prêt. Maintenant, les gens qui veulent enseigner peuvent venir louer. Nous demandons de construire des infirmeries. Nous avons besoin d'infirmeries pour nos employés. Il m'a dit, nous avons besoin, n'est-ce pas, de nourriture pour nos employés. Nous finançons, nous participerons et vous allez financer dans le domaine de l'agriculture, n'est-ce pas, pour donner des équipements aux agriculteurs, n'est-ce pas, pour produire. Nous allons financer, nous participons. Les écoles, c'était la même chose. Ils disent, dans le domaine du transport et logistique, nous avons besoin de transport, n'est-ce pas? Nous financerons, vous financez les investisseurs guinéens qui vont acheter tous les matériels, n'est-ce pas, dont ils ont besoin pour le transport et logistique. Ainsi de suite. Donc, c'est un modèle, n'est-ce pas, qui a été... C'est la même chose dans l'habitat. Hein? La International Finance Corporation, qui, entre parenthèses, est propriétaire de 5%, détient 5% de Rio Tinto en Guinée, hein, est très intéressée à ce modèle. Donc, c'est un modèle que je présente, hein, qui permettra, n'est-ce pas, en particulier, qui peut permettre à la diaspora, n'est-ce pas, de trouver un créneau, n'est-ce pas, pour essayer d'investir et de créer l'emploi, n'est-ce pas, en Guinée. Hein? Voici maintenant le modèle, ça c'est le modèle à moi, hein, notre compagnie. Ce que j'ai fait, n'est-ce pas, pour profiter, pour utiliser ça comme levier, voici le modèle que j'ai. Reveal Analytics, c'est ma compagnie de technologie qui existe aux États-Unis. Nous faisons l'analyse des données, n'est-ce pas, fournissons des services, n'est-ce pas, au secteur privé, aussi bien qu'au gouvernement américain. Eninga, c'est là une société nouvelle, énergie et infrastructure qui s'ancre, n'est-ce pas, sur l'énergie et l'infrastructure. Hein? Il y a un an et demi, je suis parti avec la société General Electric en Guinée. On a fait presque 2 semaines. L'intention, c'était de financer, n'est-ce pas, une centrale de 350 MW qui aurait coûté au minimum, n'est-ce pas, entre 350 et 500 millions de dollars. Donc là, maintenant, j'ai créé une société uniquement, n'est-ce pas, pour financer l'énergie et l'infrastructure. Et là, de l'autre côté, Mobi Clinic, c'est une société qui est ancrée uniquement sur la santé, l'infrastructure de la santé. Donc, par exemple, technologie de la santé, infrastructure de la santé, comment fournir, n'est-ce pas, des services de santé en utilisant, n'est-ce pas, les cell phones, les portables. Donc, notre marché,
c'est l'Afrique de l'Ouest. Je suis en train de collaborer avec au moins 5 pays africains actuellement. En particulier, ils sont intéressés à Eninga. Donc ce modèle, c'est un modèle pratique, n'est-ce pas, que j'utilise comme levier en tant que Guinéen de la diaspora, n'est-ce pas, pour faire quelque chose à Guinée. Ce que je veux dire en résumé, c'est que d'une façon pratique et concrète, moi je suis un investisseur et puis financier. Je suis très très pratique et ce qui serait bien parmi nous, c'est de proposer des idées concrètes qui sont réalistes, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, soit individuellement ou en groupe, n'est-ce pas, on peut le faire, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, de répondre, n'est-ce pas, aux problèmes en Guinée, en particulier pour moi, le problème d'emploi est vraiment extrêmement aigu et le problème de croissance. Donc, comme c'est un petit, une présentation très simple. S'il y a des opportunités pour répondre aux questions avant ou après, je serai très content. Je vous remercie. De New York jusqu'ici, c'est pas dans n'importe qui. Bon, le problème c'est que nous avons été annoncés un peu à la hâte qu'il y a eu un festival ici à Waterbury, à Connecticut. C'est quelque chose qui a été surpris. Nous ne nous sommes pas préparés suffisamment. Bien sûr, malgré cela, nous avons pu intéresser les gens, nos frères congolais, de faire le mieux qu'ils peuvent pour qu'on puisse arriver ici à ce festival et pour que ça puisse réussir. Malheureusement, il y a eu un problème, nous avons reçu beaucoup de deuils à la fois. Tous ceux qui étaient prévus au programme de faire ceci, préparer, exposer les habits, ils ne sont pas venus parce qu'ils sont éprouvés. La communauté est en deuil, nous avons perdu 3 personnes la même semaine. Alors nous avons pu faire ce que nous pouvons aujourd'hui.
C'est pourquoi vous nous voyez là. S'il y a absence de beaucoup, certains sont là, mais la grande majorité est en deuil. Alors, ils sont restés en train de conseiller les gens qui sont éprouvés. Mais sinon, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. C'est une première fois que la République démocratique du Congo participe à un festival ici à Canalket, à Waraberry. Alors, comme ça se fait chaque année, et comme cette année, ils ont pensé à nous et nous allons continuer à participer chaque année. Alors, comme c'est aujourd'hui une première expérience, nous avons vu ce qui se passe ici. Je vois que prochainement, l'année prochaine, nous allons faire mieux qu'ici. Nous avons amené nos musiques congolaises, nous avons amené tout ce qu'il fallait, nos expositions. Ici, nous avons les quelques masques que nous avons amenés juste pour voir, pour faire voir aux gens ce que c'est le Congo. Il y en a qui posent beaucoup de questions. Ils se demandent où se trouve le Congo. Le Congo, c'est quoi? Bon, nous avons pu expliquer ce que c'est avec les échantillons que nous avons sur place ici. Mais le plus grand problème, c'est que les Congolais eux-mêmes ne donnent pas beaucoup de valeur à leur pays. Ils s'ignorent, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et les étrangers s'intéressent beaucoup au Congo, mais les Congolais eux-mêmes ne s'intéressent pas à cela. C'est ça le grand problème. Alors nous sommes en train de chercher à faire mieux pour demander aux Congolais pour qu'ils commencent à s'intéresser à leur pays, malgré la distance qui nous sépare, malgré les problèmes, les difficultés, mais qu'ils savent se prendre en charge. C'est très important parce que quand nous voyons ici, l'État de Canalket a cherché à mettre ensemble tous les étrangers qui sont ici à Canalket pour qu'ils puissent se reconnaître et connaître chaque pays, leur culture. Donc c'est une manifestation culturelle de chaque pays étranger ici à Canalket, aux États-Unis. Alors, M. Tchitchi, le vice-président, quel mot vous avez pour les Congolais? Oui, merci pour la parole. Je vais seulement cheminer dans le même sens que le président. Ce n'est que la première expérience que la cité de Waraberry puisse s'intéresser à notre communauté, la communauté congolaise. Comme le président a dit, c'est à cause du deuil que bon nombre de gens ne sont pas venus. Ce n'est qu'une première expérience. Je crois que la prochaine occasion, vous allez voir quand même, il y aura beaucoup de monde de la communauté qui seront là. Et c'est vraiment une fierté pour la communauté congolaise parce que j'ai sillonné presque toutes les temps ici. Il n'y a que trois pays africains, l'Ouganda, le Ghana et le Congo. Donc, ici en Amérique, la plupart des Américains connaissent plus le Ghana et le Nigeria. Mais maintenant, comme nous avons une tente ici, le Congo démocratique, je crois que c'est vraiment un début. Je crois que nous allons tout faire, nous allons travailler à ce que le Congo puisse être reconnu aussi dans le monde américain. Ok, merci beaucoup, président et vice-président. Espérons que vos travaux que vous faites chaque jour de la mobilisation porteront des fruits. Malheureusement, quand nous avons des deuils, là, c'est vrai, ça a été annoncé cette semaine, plus de trois deuils. Alors, nous espérons que prochainement, ça sera mieux que ça. Merci beaucoup, nous vous remercions, et nous remercions tout le monde. Et nous demandons à tous les Congolais d'être ensemble, à laisser les petites histoires inutiles. Focassons-nous à notre Congo. Nous ne voulons pas perdre notre Congo. Soyons ensemble, manifestons le fruit d'amour. Le fruit d'amour et l'intégrité de notre pays pour que nous puissions marquer le pays et aller jusqu'à aboutir à notre avancement. Sinon, dans le cas contraire, nous allons créer des problèmes et nous allons faire profiter l'ennemi qui pourra rentrer par ce que nous sommes en train de faire. Soyons ensemble, soyons unis. L'unité fait la force. Merci beaucoup. Okay, merci à vous deux. Merci.